situation qui est sur le droit en Haïti inquiétait en pile. C'est la première fois que nous arrivons dans le niveau zéro en matière de respect des libertés individuelles. C'est la première fois que nous arrivons dans une situation catastrophique, lamentable, en ce qui a trait au respect des libertés individuelles. En plus, on n'a pas une radio, en plus, on a fait intervention, mais cependant, pas gagné de concret qui fait. Je vais annoncer que actuellement, dans le niveau parquet, alors, parquet par cas, un certificat de greffe. Parquet par en mesure, actuellement, là, pour un certificat de greffe, pour permettre que vous faites dossier pour mon dans le tribunal là. Il n'est pas possible. Elle dit parquet par une base de données actuellement là. Elle dit parquet dans une situation telle que même le commissaire gouvernement leur parle avec comme avocat, lui-même malgré tout effort qu'il a fait, il se sentit impuissant parce que l'autorité concernée pour coordonner, pour permettre que justice ça fonctionne. Et je dis comme avocat, comme défenseur de l'homme, nous sommes obligés de faire intervention ça parce que faut que nous pensions à pays. Faut que nous pensions à justice pays. Faut que nous pensions à monde qui est en prison. Faut que nous pensions à monde qui a besoin de justice. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, plusieurs organisations, nous comptons organiser un sit-in. Sit-in, nous avons pris ça. Un, c'est parce que nous avons besoin de demander reprise des activités judiciaires. C'est ça nous besoin. Sit-in, nous allons faire devant le ministère de la Justice pour diminuer la justice dans le temps, pour prendre responsabilité. Pour qui ça, il n'y a pas organisé un conseil des ministres qui concernait justice pays seulement. Pour qui ça, il prend tout le temps ça pour permettre que le tribunal fonctionne. Jusqu'au moment où je vous parle, le parquet n'a pas de local. Jusqu'au moment où je vous parle, le parquet Port-au-Prince par un côté pour siéger. Et l'arrivée dans le tribunal section sud, où est c'est pile sous pile. Où est elle dit, l'un marche sous l'autre. Deux commissaires gouvernement chita sont au même bureau. Elle dit, mon cap recevoir plainte, c'est une affaire blanche. Pas de document, pas de rien. C'est le désordre total en ce qui a trait au fonctionnement du parquet. Est-ce que l'autorité ou pas ça? You well. Ceux qui m'en fous bien, mais malheureusement, qui parlent de responsabilité. Si Tina, c'est pour demander respect des libertés individuelles. Je lis un rapport des Nations Unies qui sorti en juin 2021. Il dit le calme n'est prévenu dans la prison ou bien l'hôpital, c'est machine employée des prisons comprises. Parce que machine prison n'a pas de gaz. Machine prison n'a pas de transmission, mais pas l'autre problème. Nous avons une intervention maintenant qui pas de gaz pour la prison fonctionner. C'est pas seul ça, pas seul gaz pas gagné. Elle dit dans le dépôt qui stocke manger prisonnier, manger fini. Elle dit là, nous avons un hôtel que nous-mêmes comme avocats, comme acteurs, qui défendons le monde, nous disons nous, c'est béton pour nous obliger de piler, pour nous faire sentir que il y a une organisation qui est là et qui a pensé à la liberté individuelle. Qui a pensé à moun qui a souffert dans la prison. Et si tu ça fait lundi Dieu voulant, devant le ministère de la Justice, nous avons pris l'autre organisation là, et moi invite tout avocat venir à Tolge, juste pour nous diminuer sur système. Écoutez, il faut que la justice fonctionne. Il faut la reprise des activités judiciaires. Il faut la reprise du fonctionnement du parquet. Il faut qu'il y ait assise. Faut qu'il y ait plaidoirie, faut que nous juger, faut que l'État prenne responsabilité et tout ceci doit passer par une prise de décision politique. Arnel Rémy, après un an, bilan zéro. Si nous prenons sous justice, mais ce n'est pas parlé. Et mais puisque nous sentons que dans le niveau justice, il y a la blague, dans le niveau justice, il y a la platante, nous-mêmes nous disons, bon, assumer responsabilité nous, pour au moins nous continuons à mettre pression sur l'autorité concernée maintenant pour permettre que la justice a fonctionné, mes amis. Nous ne pouvons pas accepter pendant un mois, 2 mois, 3 mois, le tribunal fermé. Nous ne pouvons pas accepter pendant un mois, 2 mois, 3 mois, pour nous faire plusieurs jours en cas juger. Nous ne pouvons pas accepter que la justice haïtienne n'a blahi dans le niveau ça. Nous ne pouvons pas accepter que la justice a fonctionné et dit à l'ancienne Jean-Mémé Dil. Nous ne pouvons pas accepter que nous avons mouru dans la prison. Nous ne pouvons pas accepter que nous avons suicidé tête parce que nous n'avons pas d'espoir pour juger. C'est grave. Nous ne pouvons pas accepter que nous vivons dans une société où le tribunal fermé, ça ne va pas dire personne. Pour le tribunal fait 2 mois fermé, ça ne va pas dire personne. Pour le parquet pas fonctionner, ça ne va pas dire personne. Pour l'assise pas faire, ça ne va pas dire personne. Et moi-même, comme défenseur, je suis parti mal à l'aise parce que le droit d'accès à la justice, le droit à la santé, le droit à la vie, c'est des situations qui supposent fonctionner en permanence. Puisque nous-mêmes, dans le niveau cadeau, dans le niveau avocat, dans le niveau OD, nous sommes défenseurs de l'application de la loi, nous sommes défenseurs de la liberté individuelle, nous avons milité pour le respect de la liberté individuelle, et nous avons tiré sur notre alarme, et nous avons lancé une invitation à toute l'autre organisation qui voulait venir dans ce titre-là, tout avocat dans notre juridiction qui voulait venir avec Toj, c'est pour réclamer des prises de décision immédiates au fait de permettre la reprise des activités judiciaires. Et il est extrêmement important pour la société à fonctionner, il faut que la justice a fonctionné. Depuis que la justice a fonctionné, nous n'avons pas de société. Deuxième point, c'est la question qui a rapport à présent et une grande âge. Je vais vous dire clair. Le droit d'accès à la justice est fondamental. Si vous arrêtez un citoyen, comparution devant le tribunal par en faveur. Comparution devant le tribunal par un don, par un cadeau. Son acquis. Et la Convention internationale nous dit ça. Constitution dit 24 heures après son arrestation, l'individu doit comparaître par devant son juge naturel. Nous avons équipe qui est arrêté, malheureusement pour des infractions infondées, que vous attendez. Malheureusement, bandi attaque le tribunal là. Et jusqu'au moment où je vous parle, pas de rien dit. Est-ce que mon est responsable que le tribunal cassé? Non, il n'est pas responsable. Est-ce que quelqu'un qui est en prison est responsable du tribunal cassé? Non. Et m'a dit bien, chaque année, pour plus vite, il y a 600 personnes qui mourent dans toute prison. Chaque année, pour plus vite, il y a 604 décès. Actuellement là, cellule prison, ils ont fait entre 0,22 m² et 0,30 m², 0,30 m². C'est-à-dire qu'on céramique 30 par 30, l'on calcule les superficies céramiques 30 par 30, les 3 gros ont cellule dans la prison. Je dis-nous bien, commissariat au CAI, prison civile au CAI, et commissariat Miawan à des fenêtres. Il y a des situations compliquées. Il y a deux côtés, il y a deux commissaires qui ont dit, nous sommes en garde à vue, et puis devant, il y a des gens qui ont fait besoin de là. Et je toujours dis, il y a deux prisons dans le pays, les gens sont dans le sachet de faire besoin de là. Et l'article 442 à 447, il y a possibilité à commissaire gouvernement, alors 442 447 code d'instruction criminelle, par l'autorité pour visiter prison, pour garder ces prisons propres. Est-ce que le commissaire gouvernement nous fait ça? Bon, à part le commissaire gouvernement que vous connaissez, qui est habitué à faire intervention, mais non, pas connaît, pour l'autre côté. Maintenant, qui leur a bon bataille sérieux pour respect de la monde dans le pays? Qui leur liberté individuelle a respecté? Et qui décision qu'a prend pour respecter la liberté individuelle? Il y a des gens dans la prison, on est directeur de prison, Victor Julien, il a tué quelqu'un dans la prison. Parce que l'État n'a pas de responsabilité pour l'espoir, pour dire que c'est moun. Il y a Mme Simon, il dit lui-même, franchement, il ne parle pas que la vie parce qu'il fait tension, il fait sucre. Il y a Roger Brutus même, il dit qui est diabétique. C'est-à-dire, prison, garde à vue, quelle que soit la saleté en Haïti, c'est-à-dire, les gens qui n'ont pas l'autre idée, ils n'ont pas envie de vivre encore parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se sentir bien. Prison en Haïti, par un centre de sanction. Prison en Haïti sont enfer. Et l'État, à travers le ministre de la Justice, à travers le Premier ministre, à travers l'autorité concernée, pas fait un lien pour améliorer les conditions de la prison. Et je dis, nous même au niveau, cadeau, ordine, avec le cabinet avocatus, je suis obligé de faire une intervention médiatique. Je me dis nous merci journalistes. Parce que l'homme parle, l'homme fait intervention, nous relayons. Et quand plus de monde qui t'a dit, merci pour ça. C'est le seul moyen, comme avocat qui défend mon avocat du peuple, pour permettre que mettez pression sur l'autorité concernant pour changement de fait. Si nous ne parlons pas, nous avons tout fait. Pierre Régis Ricardo, si tu as parlé de nous avec là, son jeune garçon, apprenti mécanicien, qui travaille, il a arrêté sous prétexte que tu as fait partie dont gang. Nous-mêmes, comme avocats, nous déposons une requête en lever des coups devant magistrat 7-6e, qui nous connaît qu'à fond travail sérieux. Tribunal quoi des bouquets n'a pas fonctionné. Est-ce qu'un pays qui a fonctionné, qui a arrêté comme ça pour tout tribunal fermé? Pendant que nous connaissons la prison de pays, c'est pour des pissales. Pays d'être pour des pissales. Moi, en écoutant Ariel qui a dit qu'il y a un an, mais franchement, ça n'ira pas plus loin avec Ariel. Parce que la situation ne fera plus s'empirer. Et moi, des populations, tout avocat, venir supporter dans cette situation. Parce qu'il faut que nous montrons à ces gens qu'il existe encore des personnes qui sont soucieuses de la situation carcérale, de la situation des gens et du climat de sécurité qui gangrène, qui ronge la société. Nous ne pouvons pas vivre dans le pays, nous ne pouvons pas respirer, nous bouquer, il faut qu'on aille mieux. Merci.